Move. Move 13 Actu. Jusqu'à 13h30. 13-12 sur Move, c'est l'heure de la Zumbactu de Guéran, édition spéciale aujourd'hui. Une Zumbactu internationale, les infos du monde, décryptées à l'épluche légumes, si j'ai bien compris. Bonjour et bienvenue dans la Zumbactu édition internationale. Nous sommes le 22 septembre 2017 et c'est la journée mondiale de protection des rhinocéros. Oui, c'est vrai. Oui. Il faut savoir que les rhinocéros sont en danger, surtout les rhinocéros blancs. C'est donc la seule espèce où les blancs sont plus dans la merde que les gens de couleur. Mais ce n'est pas l'information principale. Les rhinocéros blancs sont chassés par des braconniers pour leurs cornes qui auraient des vertus aphrodisiaques. Mais c'est pas vrai. Okay. C'est comme quand Marine Le Pen dit « je suis pas raciste », c'est pas vrai. Il ne reste plus que 4 rhinocéros blancs dans le monde, soit plus qu'au Parti Socialiste, soit plus de membres que le Parti Socialiste. Alors le conseil du jour, si vous êtes un rhinocéros et que vous croisez un braconnier japonais hostile, faites-vous pousser la barbe et faites semblant d'être un sanglier. Si ça ne marche pas, cachez-vous dans un endroit où personne ne va jamais, comme l'Assemblée Nationale ou Google+. Très bien, merci pour ce conseil qui fera plaisir évidemment aux rhinocéros qui nous écoutent. Fait divers à présent. On démarre avec une triste nouvelle. Le monde pleure la disparition tragique de la femme la plus riche de France, Liliane Bettencourt, oui, ancienne patronne de l'entreprise L'Oréal. Pas de revendication à ce jour, mais face au peu d'informations dont nous disposons, nous ne pouvons écarter la possibilité de la piste d'un acte de terroriste islamiste d'un islamien islamisé. Non, elle est morte de vieillesse. Elle avait 95 ans, Guéran. Ah mais moi je croyais que sur les chaînes info il fallait forcément pas dire le mot islam. Non, à un moment, non, comme ça, parce qu'ils font tout le temps ça sur BFM TV. Oui, mais non, c'est pas obligé en fait. Bon, non, c'est non, pas grave, je vais reboutiquer. Le monde pleure la disparition de Liliane Bettencourt, laissant derrière une fortune de plusieurs milliards d'euros. Bien du courage à sa famille et aux millions de personnes qui vont remonter leur arbre généalogique sur 32 générations pour essayer de trouver un lien de parenté. Big up Jean-Vincent Placé. Il a passé la nuit à taper Liliane Bettencourt. Est-elle déjà allée pécho en Corée? Voilà. Allez, j'y vais, on arrête un peu de forcer. Géopolitique maintenant. Kim Jong-un a répondu à Donald Trump. Oui, Donald Trump qui, on le rappelle, avait menacé devant l'ONU de totalement détruire la Corée du Nord et traiter, oui, Kim Jong-un d'homme missile. Oui, la Troisième Guerre mondiale, c'est globalement Rof Booba sur Instagram. Et bien, le leader nord-coréen a répondu en disant que Donald Trump était mentalement dérangé. Mm-hmm. Même Kim Jong-un dit moins de conneries que Donald Trump. C'est quand même un peu baroque. Du sport aussi dans l'actu international. Oui, hier, un record du monde est tombé, celui du plus grand nombre de claquements de mains en une minute. Oui, je sais, ça fait rêver. Un Américain a réussi à taper 721 fois dans ses paluches en 60 secondes, soit 12 claquements par seconde. Wow. Et vu qu'il était très fier de cette performance, il propose un tuto pour faire pareil que lui. Mais mon pote, on n'est pas tous au chômage. Culture à présent, Netflix face à la polémique. La série Maya l'abeille, retirée de Netflix aux États-Unis à cause d'un pénis. Alors évidemment, je rassure tout le monde, Maya n'a pas la ch'touille. Hein. Netflix n'a évidemment pas dessiné Maya avec un chibre à la place du dard. C'est une suite à une plainte d'une maman américaine qui a posté une capture d'écran de la série sur laquelle on peut voir un dessin d'un kiki sur une pierre en zoomant 32 fois. Ok. Alors là, à quel moment on est tellement obsédé par la bite qu'on le recherche dans Maya l'abeille? Je ne sais pas. En même temps, la biographie Twitter de la maman choquée indique « Je vénère Dieu et je soutiens Donald Trump ». Donald, oui, Trump étant la plus grosse bite politique du monde, tout s'explique. C'est beaucoup plus clair, en effet, politique française. Ah, sale coup pour l'hologramme insoumis le plus connu de l'Hexagone, Jean-Luc Mélenchon. On apprend aujourd'hui que 6 Français sur 10 ont une mauvaise opinion de lui. Ouais. Cela pose une question. Qui sont ces putains de Français qui répondent toute la journée à des sondages? Nassar, t'es français? Oui. T'as répondu? Non, on m'a pas appelé. Je vais demander à un vrai. Greg. Non plus. Voilà. Non, personne n'a rien dit. Le mystère reste entier. Société pour finir cette Zumbactu internationale. This is CNN breaking news. Ah, une info incroyable du journal Le Point qui a mené une enquête à la conclusion invraisemblable. Il serait plus difficile d'obtenir un crédit quand on est noir ou maghrébin. Merci Le Point. Je le savais, hein. Ça marche aussi en remplaçant le mot crédit par travail, logement ou rentrée en boîte de nuit. Je le sais, j'ai été noir toute ma vie. J'attends vraiment l'enquête de la semaine prochaine intitulée Il est plus difficile de tomber enceinte quand on est un homme. Merci beaucoup Guéran pour ce point complet sur l'actu internationale et planétaire. Vous écoutez Move. 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 Move.